In lesson four, we're going to begin the process of learning how to order in a restaurant. This lesson will be fun because we're going to have a conversation with the staff in a restaurant in this case the famous lauriley odeon in le quartier latin that's the latin quarter off boulevard saint germain it's right across the street from the odeon metro station circled in red which you will likely use many times while you are in paris as you can see on the map le quartier latin is located on the south side of the river seine also known as the left bank of the seine or in french la rive gauche as lesson four unfolds all of the family except mackenzie who is off with her friend baptiste are walking into the restaurant where papa is greeted by the maitre d or in french le maitre d'hotel. bonsoir monsieur bonsoir monsieur nous sommes cinq avez-vous une table pour cinq nous préférons une table à côté de la fenêtre si c'est possible bien sûr monsieur nous avons une table libre à côté de la fenêtre. the maître d leads the family to a table by the window and everyone chooses a seat livy et alexa decide to flip a coin for the seat by the window and livy wins. The waiter appears, looking at Alexa. He says, Bonjour. Vous désirez quelque chose à boire? Avez-vous du thé glacé? Oui, mademoiselle. Eh bien, je vais prendre du thé glacé, s'il vous plaît. Et pour vous, monsieur? Moi, je vais prendre du thé glacé aussi, s'il vous plaît. Je voudrais un coca, s'il vous plaît. Vous désirez, madame? Juste de l'eau pour moi, s'il vous plaît. Et pour vous, monsieur? Je voudrais un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Merci. Okay, that was our very first conversation in a restaurant. Now let's stop here, go ahead and read lesson 4 in your text and then return to this spot in the video for more practice speaking. Okay, now that you've read the conversations in your text, let's go through them again slowly. And give you a chance to listen carefully and practice saying the sounds and words. Because this is a longer conversation, we're going to give you the benefit this time of seeing the words as we pronounce them. Repetez après Julie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, nous sommes cinq. Bonsoir, nous sommes cinq. Avez-vous une table pour cinq Avez-vous une table pour cinq Nous préférons une table. Nous préférons une table. À côté de la fenêtre. À côté de la fenêtre. Si c'est possible. Si c'est possible. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, monsieur. Nous avons une table libre. Nous avons une table libre. À côté de la fenêtre. À côté de la fenêtre. Bonjour, vous désirez quelque chose à boire Bonjour, vous désirez quelque chose à boire Avez-vous du thé glacé Avez-vous du thé glacé Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Eh bien, je vais prendre. Eh bien, je vais prendre du thé glacé. S'il vous plaît. Du thé glacé, s'il vous plaît. Eh bien, je vais prendre du thé glacé, s'il vous plaît. Eh bien, je vais prendre du thé glacé, s'il vous plaît. Et pour vous, monsieur Et pour vous, monsieur Moi, je vais prendre... Moi, je vais prendre du thé glacé aussi, s'il vous plaît. Du thé glacé aussi, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre du thé glacé aussi, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre du thé glacé aussi, s'il vous plaît. Je voudrais un coca, s'il vous plaît. Je voudrais un coca, s'il vous plaît. Vous désirez, madame Vous désirez, madame Juste de l'eau pour moi, s'il vous plaît. Juste de l'eau pour moi, s'il vous plaît. Et pour vous, monsieur Et pour vous, monsieur Je voudrais un verre. Je voudrais un verre de vin rouge, s'il vous plaît. De vin rouge, s'il vous plaît. Je voudrais un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Je voudrais un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Merci. Merci. Now let's take a look at the conjugation in the present tense for just one of the six verbs that we utilized in our conversation, the regular verb prendre. You will note that prendre is a DRE verb rather than an ER verb. Also note that as we have seen before, the S on the end of the Je and Tu forms is silent. The Je, Tu, and Il forms all sound the same. That makes speaking easy for this kind of DRE verb. Note that for purposes of visual simplicity, we are no longer displaying the pronouns sa or en in the third person singular column. Prendre Je prends. Je prends. Tu prends. Tu prends. Tu prends. Il, elle prend. Il, elle prend. Nous prenons. Nous prenons. Vous prenez. Vous prenez. ils elle prennent ils elle prennent remember that in the present form je prends means both i take as well as i am taking so when ordering we now have an even simpler phrase to use Je prends, meaning I am taking or I am having, instead of je vais prendre, which as you know means I'm going to have. So now you have three phrases to choose from when ordering. Je prends, je vais prendre, je voudrais. All three phrases are perfectly acceptable. So when you're ordering, you can simply pick the one that fits your mood. So now you know how to tell a maitre d how many are in your party and to ask for a table. When the waiter comes, you also know how to order drinks. In our next lesson, we're going to look a little deeper at this initial restaurant conversation, which will make it all a bit easier for you to remember.